On descend un peu. Bonjour, nous sommes de défense. Vous sommes avant le début de ces matchs. Les deux heures pour la pause. Plus de 7000 participants pour cette belle compétition pour Octobre Rose. Allez, c'est parti. Ok, allez, on récupère encore. C'est bientôt à Sandrine, gardez un petit peu dessus. What? Allez, c'est bien. Parfait. Démontez les genoux. Allez. La place Colbert est au comble. Eh, mais on les voit. Ça va être la Sandrine, hein. Jean-Marie, tu peux mettre la musique à Sandrine. Jean-Marie, la musique à Sandrine. Ouh, ça va, c'est pas trop dur, hein. Maintenant, on va falloir tout donner. Applaudissez Sandrine. Incroyable cette année. Ouh là là là. Ouais. Plus de 7000 femmes. Oh, 30 secondes, alors 30 secondes. Oh, 30 secondes, 30 secondes. C'est pas présenté. Miss. Oh, oh. L'ambiance, les enfants, ça monte en meuble, hein, et vous pouvez faire pareil avec votre voisine, et si vous la connaissez pas, tant pis, hein. Alors, on peut fermer dans les mains peut-être en attendant. Ouais, ça surtout le temps, on reste chaud. Voilà, je m'équipe. Et la précieuse. Voici Miss Poitou-Charentes. Toujours en direct sur C17 Info et Miss Poitou-Charentes qui arrive. Vous savez que ça fait deux fois qu'elle est Miss. Une fois Miss Vendée, une fois Miss Poitou-Charentes. Je vois Kevin et Clémentine du comité Poitou-Charentes pour Miss France viennent nous rejoindre également. Ah non, c'est bien, ouais. Cool. Voilà, on est heureux, même si on avait peur qu'elle ne vienne pas. On est heureux pour ce premier bain de foule. Super, super. Ça fait quoi de voir plus de 10 000 personnes autour comme ça? Même pas peur. Super. Est-ce que ce concours Miss Poitou-Charentes, vous l'avez vécu de la même façon que le concours de Miss Vendée, avec un espoir d'être élu? Comment ça s'est passé dans votre Il y a de la concurrence autour de nous, puisque nous avons Hervé Blanchet qui est en train de filmer également. Oui, te voilà. J'ai été élue Miss Vendée, mais c'était il y a 2 ans, du coup j'ai participé à Miss Poitou-Charentes, j'étais un petit peu plus mûre. J'ai pas vécu les choses pareilles, c'était une élection magnifique, ça s'est très très bien passé. Et j'ai eu la chance d'être élue, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, et j'en suis consciente, et je remercie le comité et tout le public qui était là le soir. Bravo, je crois que vous pouvez l'applaudir très fort. Voilà, c'était Miss Poitou-Charentes. On va arriver pour les séances photo avec un photographe rapidement. Bonne chance à notre futur militaire. Incroyable de voir autant de monde, place Colbert. On a parlé, quand on est au concours de l'ANSOA, on a des grandes visions au niveau de monter en grade. Donc ça sera un grade supplémentaire par rapport à deux fois Miss. Voilà, vous avez 7000 personnes qui vont s'élancer tout à l'heure pour cette course de 7 km qui va se dérouler dans les rues de Rochefort. Et Andrea serait une parfaite ambassadrice pour le Poitou-Charentes. Merci toujours d'être à nos côtés. On continue avec Corfitness. Alors les fonds qui seront cueillis seront reversés, bien entendu, à la Ligue contre le cancer. Et c'est donc l'association sportive de l'hôpital de Rochefort qui est organisateur. Regardez. Incroyable. C'est l'échauffement avant le départ. Hey, derrière, comment ça se passe? Est-ce que vous voulez que je vous chauffe un peu quand même, hein? Oui. Allez, frappez dans les mains. Oui. On les encourage, ceux qui se donnent à nous quand même. Hein. Et à gauche.
Bravo les filles. Bravo. Vous participez. Ça se passe comment? Et le soleil est au rendez-vous. Que demander de mieux? Bon, Hervé Blanchet, il va falloir accélérer. J'ai les fesses, ça vous fait voir autant de femmes sur la place que moi. Allez, c'est les derniers. C'est un monde magnifique, extraordinaire, avec un monde partout. Il y a 6927 inscrits. Incroyable. Un moment de bonheur. Voilà, c'était Hervé Blanchet, donc le maire de Rochefort. Derrière, comment ça se passe? On vous oublie pas. Vous ne nous voyez pas. Voilà, l'échauffement toujours en cours avant le départ, qui va se dérouler dans quelques minutes. Tout ce qu'il y a fond devant, hein, comme ça, tu as l'image en direct, si tu as vu. C'est les dernières minutes d'échauffement. Toujours en direct sur CD7 Info. Pour l'Octobre Rose de Rochefort, Rochefort-sur-Mer, donc pas très loin de La Rochelle. Plus de 7000 concurrentes pour cette course de 7 km qui va se dérouler dans les rues de Rochefort. Et tout ça pour le profit de la Ligue contre le cancer. Oh là là, ça chauffe aussi de l'autre côté. Moyen, hein. Moyen. Allez. Bravo. Hein. Voilà, on va essayer de se positionner sur la ligne de départ. Allez, faut tout donner. Vous êtes en direct. Ah, on va devoir arrêter, c'est le départ de la course. Alors beaucoup de monde partout. Merci à vous. De toute façon, ah, les filles, regardez. C'est pas fini, hein. C'est pas fini parce qu'il y aura la remise en forme après la course. On a même une petite chaîne, regardez. Allez, on a voulu très fort, qu'on fait de baisse. Ceux qui courent avec moi, derrière moi, on veut vous voir derrière moi. Les filles qui font la course, vous suivez. Les concurrentes commencent à se regrouper donc pour le départ. Donc la marche et la course, 7 km. Toutes celles qui courent derrière moi, celles qui font la course, vous suivez. Souriez, vous êtes en direct. Souriez, vous êtes en direct. Voilà, tout le monde se prépare. Sur la ligne de départ. Voilà, faites un couloir et vous passez là-bas. Les coureuses avec moi, j'ai plus de micro. Toutes les filles qui courent, vous avez à gauche. Ceux qui courent avec moi. Deuxième à droite, la plus grande épreuve. Deuxième à droite. Voilà, vous êtes toujours en direct sur CD7 Info. Les coureuses, ceux qui courent, c'est pas. Ceux qui courent, c'est pas. Ah, il y a un monde incroyable. Hein. Je ne sais pas si Rochefort va supporter autant de monde dans ces rues. Souriez. Toutes celles qui courent, vous partez sur la gauche. Voilà, le départ va pas tarder à avoir lieu. Toute la marche rondeau, vous allez. Allez, on avance. Devant l'arche Intersport. On prend pas le départ, hein, rassurez-vous. Ah, vous aurez la récupération.
Vincent Vicorte qui presse après la course ici même. Les tirages au sort. Alors il y a également donc l'association Bouger contre la SLA. Vous pourrez faut aller là-bas. Présent. Laissez pour ce départ. Qui court dans le sens opposé là. Une association donc qui est très active par rapport à cette maladie, donc maladie de Charcot. Monsieur Thierry, c'est le président de l'association SLA. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Eh bien, on est là pour le cancer du sein, mais aussi pour la maladie de Charcot, comme tu sais, voilà. Qui est atteint de la SLA tenait absolument à courir avec les filles pour le cancer du sein, mais si l'organisation nous donne la possibilité de faire de la maladie de Charcot, plusieurs milliers de personnes en France, télépathologie, diagnostic incurable. Voilà, mais c'est comme ça. Et merci à Jean-Michel Chevalier de nous donner la parole à C17 Info et puis à toute, une bonne course à toutes ces filles. Merci Thierry. Donc on retrouvera Thierry prochainement qui va nous annoncer donc un rendez-vous qui va se dérouler au mois de décembre et qui donc concerne cette fameuse maladie de Charcot. Et donc une association qui est très 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 active. Vous revenez en arrière s'il vous plaît, car on a toute l'équipe de Bouger pour la SLA qui partira avant avec la Joëlette et Claude. Voilà, on vous dit que l'équipe de la SLA donc partira devant bien entendu. Voilà, ces garçons et les filles que j'ai l'habitude de voir sur Trail, elles sont des partenariats hauts comme Tambour Rose, aujourd'hui partiront devant vous pour vous ouvrir la route. S'il vous plaît, mesdames, écartez-vous là-bas. Là-bas, juste 50 mètres. Devant l'arche, écartez-vous, s'il vous plaît. Merci. Un monde fou. Oui, vous partez dans le sens direction l'église. Alors toujours en direct. Merci sur CD7 Info, donc voilà, regardez. Rochefort est en rose aujourd'hui. Merci, en face de l'église, de faire le couloir pour permettre à la Joëlette de partir devant les marcheuses. Les filles qui courent, vous partez à gauche là-bas, avant de rejoindre la quelle course. Incroyable, incroyable. Souriez, vous êtes en direct, vous pouvez y aller. Voilà, donc c'est donc la SLA, les concurrents de la SLA qui vont démarrer les premiers. Et le président qui est là pour filmer, Thierry. Il y a de l'ambiance à Rochefort. Hein. Vous êtes en direct, hein. Vous voulez dire des choses, allez-y. On travaille à Monoprix, venez chez nous. Oh là là, on a de la pub, c'est incroyable ça. C'est l'équipe de Monoprix. Bon, vous voyez, toutes les catégories professionnelles sont représentées, bien entendu. Regardez, c'est noir de monde. On voit que du rose ici. Ah, il y a même du noir à côté de moi. Ah, on a dit que c'était la plus belle. Ah bah c'est vrai ça. Allez, dites quelque chose, on est en direct là, vous pouvez parler, il y a 20 000 personnes devant vous. Super Nat, c'est moi. Et très heureuse d'être une femme, voilà, et en l'honneur des femmes qui sont malades, et ben voilà, on leur fait honneur, on fait la fête, voilà. Est-ce que vous allez marcher ou courir vous ? Oh bah on marche, on va mettre l'ambiance, vous allez nous entendre. Allez, bonne chance. Oh.
Voilà, on va voir le départ donc des concurrents qui sont donc de la SLA. Bouger contre la SLA. Voilà. Le départ va être donné dans quelques instants. Voilà une belle manifestation donc contre le cancer du sein qui se déroule aujourd'hui donc à Rochefort. Ah, ça y est, j'ai été photographié. Ça va, toi? C'est Pierre qui nous a photographié. Voilà, le départ va être donné dans quelques instants. Donc, vous êtes toujours en direct sur CD7 Info. Allez. Alors, tout le monde utilise son téléphone portable pour immortaliser cet événement. Il y en a partout. On espère que notre liaison va bien fonctionner. Apparemment, oui. Ça va. On a de la puissance. 7000 femmes, oui, absolument. Oui, c'est incroyable. Incroyable. On n'a jamais vu la place Colbert avec autant de femmes. Allez, c'est parti. C'est parti. Attention. Allez. Attention, attention. Deux, un, c'est parti. Allez hop. Sous les applaudissements. Et voilà. Une belle solidarité. Voilà, on a du rose partout, 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 partout. On est là, on va pas tarder à partir. C'est 17, ouais. Wouh. Il y a de l'ambiance ici, hein. Oh là. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Salut tout le monde. Ça va pas tarder, on est aux arbres du départ de la course. On va vous présenter l'homme sans qui cet événement n'aurait pas lieu. Ah, il nous tourne le dos. Le voilà, le voilà. Grâce à lui, donc, l'événement a eu lieu aujourd'hui. C'est pas une mince affaire à organiser, croyez-moi. On avance. Incroyable. Il n'y a que du rose. Que des femmes et que du rose. Il y en a 7000, hein. Je ne sais pas où je vais aller comme ça, mais... Voilà, toujours en direct, hein. Ah, 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 on m'appelle, on m'appelle, on m'appelle. Allez, allez, allez. Oh là 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 là. Nous sommes en direct, hein. Voilà, ça y est. Attention, oh là 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 là. Oh là là. Attention, voilà. Il y a des gens qui arrivent, regardez. Incroyable.
Incroyable de voir autant de monde à Rochefort. Femmes de tous les âges. Une marée humaine, une marée de femmes. Vous êtes toujours en direct sur CD7 Info, vous assistez à la course marche des demoiselles à Rochefort pour l'Octobre Rose 2019 au profit de la Ligue contre le cancer. Voilà, il y a un intrus là. Organisé par l'association sportive du groupe hospitalier de Rochefort. Voilà. Ah, ça commence à bouchonner un petit peu, c'est pas étonnant, il y a un monde incroyable. Aujourd'hui, Rochefort, c'est la ville en rose. Incroyable de voir autant de monde sur Rochefort. Voilà les marcheuses. Même le toutou qui est là, regardez. Bon, on fait demi-tour. Bientôt au départ, ça va pas tarder. La queue de course est là. Allez, devant Loïc, du corps fitness. Bonne balade, mesdames. Vous pouvez vous applaudir encore. Et on vous attend pour le final. Ah là, je peux plus avancer, ni reculer. C'est mort là. Ah, je suis obligé de courir. Vous êtes toujours en direct sur CD7 Info. J'essaie de me frayer un passage parce que j'ai pas envie de courir les 7 km, hein, croyez-moi. Voilà, voilà, puis en plus je suis pas en rouge, je suis en rouge. Allez, on a Hervé Blanchet, le maire, qui est là-haut dans la tribune, qui est prêt à donner le départ. Pardon, je vais essayer de passer. Voilà, regardez. Allez, prenez votre mal en patient, toujours, va se couler tranquillement. Pardon. Alors, je vous rappelle que je retrouve tout. On va y arriver, on va y arriver. Encore quelques mètres. Pardon, excusez-moi. Pardon. On n'a plus pour longtemps.
Pardon, excusez-moi. Pardon. Pardon, pardon, pardon. Pardon. Alors, toujours en direct hein, sur CD7 Info, on essaie de se frayer un chemin. Voilà, on va y arriver, bougez pas. Pardon, excusez-moi. Voilà. Regardez le monde qu'il y a. Un monde incroyable. Oui, regardez, c'est énorme, ça bouchonne, évidemment. C'est normal que ça bouchonne. Oui, ça bouchonne, oui. Vous utilisez plus de 7000 personnes, vous. Quand vous regardez la rue là-bas. Alors, donc, bordel de retour, quand vous voulez, mes enfants, quand vous voulez. C'est à vous de jouer. En même temps que ça s'écoule, vous êtes en train de faire au moins 2-3 morceaux. Hein. On peut faire un échauffement s'ils veulent. Hein. Allez, c'est parti. Voilà, écoutez. Excusez-moi. On essaye de se frayer un chemin, ce qui n'est pas évident. Hop là. Allez, ouais. Vous voulez faire des photos de la mise pendant que vous êtes bloqué, allez-y, regardez. 7000 femmes, ah, c'est sûr que ça doit bouchonner. Les deux pour le même prix. Vous voulez faire des photos de ce côté-là, je vous l'amène. Voilà. Excusez-moi. Ah, mais c'est normal, ça bouchonne parce que. Ceux qui sont à droite coupent devant les autres et puis voilà. C'est 17 infos. Allez, dites-moi un petit mot en direct là. Allez, profitez-en pendant qu'elle est de ce côté. Nous sommes très heureux de participer à cette course. De toute façon, je rentre pas. Et puis, nous sommes très nombreuses. Vous faites quoi? Vous marchez? Moi, je marche. Parce que si je marche, je marche. Bon, alors, bonne chance. Allez, qui c'est qui veut faire des photos de ce côté? Je vous l'amène. Regardez. Elle est plus belle que moi, je sais. Regardez. Voilà, on s'est frayé un chemin. Écoutez, je pense qu'on va vous laisser à cet endroit-là parce que. Allez, ça commence à avancer un petit peu. Il faut l'applaudir, vous ne l'aviez pas vu, vous étiez au fond là-bas. Hein, qu'elle est belle. Hein, qu'elle serait encore mieux en Miss France. Elle a promis que même si elle n'était pas Miss France. Voilà, écoutez. Mais moi, je dis qu'elle en est capable d'être Miss France. Ça bouchonne, c'est pas étonnant. 7000 concurrentes dans les rues de Rochefort. Vous avez aperçu donc de ce qui est en train de se passer. Donc, probablement une journée exceptionnelle qui se déroule à Rochefort. Et probablement même au niveau national, je pense. Voilà. On va se quitter sur ces belles images de toutes ces femmes qui ont décidé donc d'être solidaires contre le cancer du sein. Attention, ça va être voilà. Cool, là. Il va falloir faire vite. Hein. Allez. Parce qu'il va y avoir de la demande. Photo gratuite derrière les chapiteaux, là. Derrière les chapiteaux, excusez-moi. Photo gratuite qui vous sont offertes par l'organisation. Bien, on vous dit à l'année prochaine, probablement pour un nouveau départ. Alors, s'il y a plus de 7000 personnes, ça risque de coincer un peu plus. Mais bon, c'est pas grave. Et vous avez donc la fanfare qui est ici pour encourager donc les concurrentes. Voilà, ouais, écoutez, on vous dit à très bientôt sur CD7 Info pour de nouveaux rendez-vous. Allez, bonne soirée.